Hey, coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? 1. Il fait très très beau, ça fait plaisir. 2. Les meufs de ma maison m'ont fait découvrir un chanteur qui s'appelle Ben Mazoui. Je suis persuadée que tout le monde le connaît en France, on est d'accord. Je ne le connaissais pas et c'est vraiment cool. C'est vraiment vraiment cool. 3. Parce que je me suis fait mise de tout ce que j'ai à faire avant que le voyage unité sur le cap commence. J'ai 30 actions distinctes. Et le truc de ma journée, c'est que je devais aller à la mer parce qu'il fait vraiment très beau. Mais je ne vais pas à la mer. Je vais justement faire tout ce que j'ai à faire pour être tranquille. Et ensuite, je pense que je vais aller marcher en fin de journée pour acheter les trucs du voyage, justement, les trucs qui manquent. Et après, je vais revenir ici, je vais travailler sans faire une petite pause. Donc là, mon idée, c'est de rester ultra concentrée jusqu'à au moins 15h30. Il est 10h. Je te dirais. Pour te faire un petit bilan, on se retrouve des heures après, 18h. Je suis pas sortie, mais du coup j'ai beaucoup avancé. Un truc de malade. J'étais pas prête à faire ton truc. Donc je suis très heureuse. Et là je mange un nouveau smoothie que m'a fait Lucie, elle est merveilleuse. Amis banane, fruit de la passion, et c'est incroyable. Et tout à l'heure, j'ai mangé une salade avec des œufs, du coup, je suis hyper calée. Et franchement, j'ai plus mal au ventre ce moment. C'est vraiment cool de manger des fruits, des légumes et du riz seulement. Et des œufs, voilà. Donc, c'est comme ça, yoga vous. Putain. C'est qui ou quoi? Non! Tu as débloqué une personne secrète! Tout ça, c'est une personne qui prend le dos. All right, and we've begun. Extended child's pose. Press into your toes down into the earth, so create a full body experience even here. Ground it through, exaggerate the stretch, really hollow it through the chest. Stretch. Breathing all the way. And then once you find your kind of full extension here, then you're going to go in and under the bridge of the right arm. Oh yeah, and then you have this nice fulcrum here. Je comprends à peu près tout ce qu'elle dit, mais quand elle parle, j'ai du mal à comprendre. Mais elle est américaine, ou je sais pas, peut-être tiens, je sais pas. Quand je regarde des séries, j'arrive même pas à comprendre, mais si c'est écrit, je comprends. Normal. Mais il y a quelqu'un qui est bien en yoga français que t'aimes bien? Non, je connais, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est bien. Et là, on va pousser la fesse gauche très fort vers l'arrière et on respire. On doit sentir tout le côté gauche qui s'étire. Fermez les yeux et concentrez-vous simplement sur votre respiration. Est-ce que vous êtes dans la respiration? Je ne comprends pas, je comprends pas. On refait lentement. À droite. Et là, on va tourner la fesse gauche, mais c'est sympa. Bah non, mais c'est la direction du pourquoi. Tu vois, genre pour étirer tout ton bras gauche, tu sens que ça tire bien sur le côté gauche. Sur l'avant-bras gauche, le bras droit qui se tourne dans la diagonale vers la gauche, la fesse droite qui pousse à l'arrière. Ça va? Fermez non. Les yeux, respirez profondément. Vous pouvez sentir. Alors, t'avances le genou gauche de façon similaire dans votre taille. Tu poses ta tête sur ton avant-bras gauche. Peut-être également une petite compression au-delà. Cuisse droite au niveau de la hanche droite. Non, ça ne peut pas marcher. J'aime bien. Respirez, essayez de bien relâcher la mâchoire, desserrez les dents. Mais c'est pas grave, bah, du coup c'est bien que t'as besoin de cours particuliers pour commencer. Bon bah vas-y, on va faire nos petits exercices. Ouais, je suis désolée. Non, non, pas du tout. C'est une bonne idée. Et ce sera très bien. Il faut qu'on s'arrange. Le plus haut possible les pieds. Ouais, bah c'est ça aussi, le gars, tu sens quelle posture c'est bien après. Quelle posture? C'est juste assez bien, mais pas assez. Je fais ça pendant 10-15 minutes.
Tu penses que ça m'a vraiment pas détendre. Étirer. Assouplir. Bah voilà, ça va m'assouplir. De ouf. J'en suis sûre, et surtout quand tu le maîtriseras très bien et que tu verras les progrès, tu vas avoir envie d'en rajouter. Et ça là que tu fais, c'est quand ça fait ça, c'est trop bien. Quand ça là? Ouais, je vais mettre la posture. Ça c'est la posture de l'enfant avec les étendues, les bras étendus. La maison du bonheur, elle est merveilleuse parce qu'il y a tout, 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 tout. Même ça, regarde. Les filles se font épiler dans la maison du bonheur. Et là, c'est l'épilateuse officielle de notre maison. C'est bien l'épilation. Et là, en bas, comme c'est le carnaval et qu'on fait le carnaval à la maison, mes voisins se sont mis ensemble pour faire une petite fête que tu ne vois pas. Eu queria ter essa fantasia foi eterna. Quem sabe ouvir a paz, tem que a guerra. E eu vivi, era só desejar. Eu. Laia. Yeah!